Le carnet d'audience du chef du gouvernement ouvre cette édition. Ce matin, une délégation de la compagnie aérienne Royal Air Maroc a été reçue par Béon Luc Adolphe Thiaw. Le partenariat entre cette compagnie et le FESPACO, qui sera matérialisé cet après-midi, a été le principal sujet de la rencontre de ce matin. Les détails avec le président directeur général de Royal Air Maroc, interrogé par Maxime Zango. Ce partenariat, ce n'est pas un sponsoring commercial ou publicitaire. C'est la marque d'une solidarité africaine sur quelque chose qui fait notre honneur à tous, qui est le Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou. Deuxièmement, c'est d'exprimer notre solidarité à l'intérieur d'un partenariat Sud-Sud. Ce sont des frères africains qui ensemble, n'est-ce pas, collaborent, coopèrent pour la réussite de ce festival. Nous sommes dans l'immatériel, nous sommes dans le culturel, nous ne sommes pas dans l'économique et dans le commercial. Pour aller au Maroc, n'est-ce pas, instrument de l'État marocain, c'est l'occasion de réaffirmer par ce geste l'africanité du royaume, n'est-ce pas, s'inscrire dans le sillage de la politique de Sa Majesté le Roi concernant l'ancrage du royaume dans son environnement africain, c'est mettre en exergue les excellentes relations entre nos deux pays et les excellentes relations, bien sûr, que vous connaissez tous entre les deux chefs d'État, Son Excellence le Président Blaise Compaoré et Sa Majesté le Roi Mohamed VI.